Rematch publié le 25 avril 2018 à 13h45 barre verticale mis à jour le 25 avril 2018 à 14h19 à sa mort, la reine Margrethe II de Danemark sera inhumée dans la cathédrale de Roskilde. Son spectaculaire tombeau vient d'y être installé point à l'intérieur du sarcophage de verre. Deux corps, grandeur nature. Ceci représente la reine Margrethe II de Danemark et le prince consort henrik son mari, durant 50 ans, malgré la décision de ce dernier de ne pas être inhumé avec sa royale épouse, le projet initial du tombeau de la monarque danoise n'a pas été modifié. Installé en ce mois d'avril en la chapelle Sainte-Brigitte de la cathédrale de Roskilde, la nécropole de la famille royale danoise depuis le XIVe siècle, il rend hommage à la vie et au travail conjoint du couple royal durant un demi-siècle par diverses allégories, figures héraldiques et symboles en bronze doré posés à son sommet, à relire. Henrik refuse de passer l'éternité à côté de sa femme, la reine Margrethe, y travaillant depuis 2003 à la conception de ce mausolée. En étroite collaboration avec Margrethe et Henrik, l'artiste danois Bjørn Norgar a choisi aussi d'évoquer l'origine de celui-ci dans le choix des matériaux. Si les trois piliers supportant ce sarcophage sont respectivement en granit danois, en basalte des îles Féro et en marbre groenlandais, la base est en grès de France, le pays où était né le prince consort, les trois têtes d'éléphant qui font référence à l'ordre danoise éponyme, sont quant à elles moulées en argent. Margrethe reposera dans une crypte sous ce sarcophage acceptant la décision de son époux de ne pas être enterrée à ses côtés. La reine Margrethe II de Danemark a respecté le souhait de celui-ci, décédé le 13 février 2018, d'être incinérée. Selon sa volonté, la moitié de ses cendres a été dispersée en mer, l'autre moitié inhumée dans une urne sur le domaine du château de Fredensborg. À une quarantaine de kilomètres au nord de Copenhague, la souveraine, qui a fêté en famille ses 78 ans le 16 avril dernier, reposera donc seule dans une crypte, sous ce spectaculaire sarcophage, le plus tard possible, espèrent les Danois. En attendant ce triste moment, le tombeau a été couvert, afin de permettre au public de continuer à accéder à la chapelle. Les visiteurs pourront néanmoins voir à quoi il ressemble via une maquette placée dans cette cathédrale qui abrite déjà les mausolées de près de 43 reines du Danemark, toute reproduction interdite.